Salut tout le monde, c'est Jean-Bloc et nous voici pour une nouvelle série de vidéos. Je vous l'avais promis il y a quelques temps, une aventure suivie sur Minecraft quand je vous avais montré ma maison avec piscine intégrée, comme c'est à l'époque. Et on va se lancer, ça va être une aventure suivie ou survie, ça dépendra vraiment du principe pendant qu'on voit ma souris bouger. Et on va tout de suite partir dans le vif du sujet hein. Et on va créer un nouveau monde. Avec, je vous montre vite fait, pendant que je vais écrire d'abord, non, aventure, suis, vie. Donc, voilà, c'est comme ça que ça va être enregistré, bien sûr, c'est, peut-être, c'est pas le titre que vous allez voir, bien sûr, sur YouTube, hein. Mais c'est comme ça, je vais l'écrire comme ça, on va se repérer mieux. Donc vous avez trois modes sur Minecraft, bien sûr. Vous avez le mode survie, qui est le mode par défaut, pouvoir, comme écrit ci-dessous, collecter des ressources, fabriquer, progresser, gagner des niveaux, surveiller la... Je vais y arriver à le dire, vous inquiétez pas. Il va bien falloir surveiller sa santé et sa faim, parce que sinon, on risque de mourir. Et si on risque de mourir, on perd tout ce qu'on a. Vous avez le mode extrême qui est pareil que le mode survie, mais sauf que là vous êtes, vous n'avez pas le droit de recommencer. Donc si vous mourrez, vous n'avez pas le droit plutôt de revenir à la vie et de retourner où vous étiez. Non, là si si vous mourrez, c'est une seule fois, la partie elle est supprimée. Et vous avez le mode création qui permet de faire des belles créations, genre des beaux bâtiments et tout ça, avec les matériaux illimités. C'est pas ce qu'on va faire, c'est bien sûr le mode survie. Et donc on va commencer, je vais montrer bien sûr, on va générer bien sûr les structures, c'est-à-dire village, donjon et tout. Donc les donjons, c'est là où on va avoir des monstres qui vont popper en abondance et tout ça. On va trouver des trucs intéressants. On a le type du monde, on peut l'avoir en surface pleine, c'est pas intéressant du tout parce que c'est mieux quand il y a des formes, des montagnes et tout ça. Vous avez les grands biomes et tout ça, ça va être le biome désert, le biome jungle, le biome normal et je sais plus, le biome neige, voilà. Le biome hiver. Donc on va prendre par défaut, ça va être un mélange de tout ça. Vous avez aussi des commandes, mais on va pas les activer, sinon ça sera de la triche. Le coffret bonus dès le spawn non plus. Et on va partir dans le vide du sujet et on va créer ce nouveau monde. Pourquoi il me fait ça lui? Excusez-moi, je déplace un peu la fenêtre. Voilà. Donc on va créer ce monde. Et c'est parti. Pendant que le chargement du monde, on va générer le terrain et tout ça. Bien sûr, on est en français. Oh, j'ai mon skin. Oui, j'avais mis un skin. Ah, excusez-moi, Epic Fail. J'ai essayé les contrôles. Mais... apparemment il marche pas, donc t'as ça, aller à gauche et ça lâcher, voilà, terminé et retour au jeu. Donc on commence déjà par découvrir le monde qui commence, comme vous voyez là sur le curseur, commence à générer. C'est Minecraft, pour expliquer, c'est vous avez une surface de jeu qui représente, selon les dires du développeur Notch, 8 fois la superficie de la Terre. Donc vous avez de quoi faire. Donc vous voyez, ça se génère. Et vous pouvez par exemple, vous allez prendre par exemple, je vais donner la sauvegarde et tout ça, de ce monde, avec le code truc. Mais le truc, il va se générer au fur et à mesure, ça veut dire... par exemple, si j'étais là-bas, tout là-bas, il y avait
plusieurs pourcents de chances que les montagnes soient comme ça. Donc, ou pas, ça aurait pu être plat ou de l'autre, comme voilà. Vous avez plein de choses, vous avez des vaches, vous avez des cochons, vous avez des moutons. Et puis on va aller tout de suite dans l'inventaire avec un beau succès débloqué. Et vous voyez mon beau skin Doctor Who de la saison de fin de saison 2, bien sûr. Ou pour ceux qui connaissent, il y a des Cybermen, des Daleks et tout ça. Et il a des lunettes 3D. J'aime bien ce skin. J'avais vu dans une vidéo de comment ça s'appelle, de Fantasio, et j'ai tout fait pour le trouver. Donc, et on y va. Bon, vous voyez, pour l'instant, vous avez fabrication. Voilà. Donc, excusez-moi, on entend une vache, ça m'a déconcentré un peu. Vous voyez, on va fabriquer là, mais il va falloir fabriquer mieux. Donc, ce qu'on va faire en premier, on va récupérer. Là, on peut courir comme ça en appuyant deux fois sur la touche avancée. Et on va commencer par récupérer une des matières indispensables dans ce jeu, du bois. Et oui, on récupère du bois à la main. On va essayer de récupérer beaucoup de bois. Voilà. Donc, et vous voyez, au fur et à mesure, l'arbre il va se dé... du moins il va se désagréger, là tout ce qui reste, les feuilles. Est-ce que j'ai assez de bois? Je cherche du bois. On va tabasser une vache avec un morceau de bois. Ça va être fun. Parce qu'on peut. Mais viens là! Mais je vais pas te faire de mal. C'est hippique hein, comme combat, je vous le dis. Voilà. J'espère qu'on n'entend pas les trop les clics de la souris. Ah, il y a beaucoup de vaches quand même. Hein. Oh, il y a une vache noire. C'est moi, c'est une vache noire. Ah non, c'est juste qu'elle était rentrée dans le décor. D'accord. Je suis en train de me perdre de où je suis parti. Mais en même temps, je suis en train de retrouver du bois. Vous voyez, j'ai récupéré du cuir et de la viande que je vais devoir faire cuire. Alors, c'est vrai que je vais vous montrer quand même en quelle difficulté je suis. Allez, en option, difficulté normale. Vous avez difficile, paisible, facile. Je reste en normal. Paisible, ça veut dire qu'on n'a pas de monstres et tout ça. C'est-à-dire que par exemple, si on est en pleine nuit, on va vivre ça parce que je vais essayer de faire des journées complètes dans le jeu, c'est-à-dire jour et nuit. Au départ, je pensais faire avec un système de lit et puis me coucher et faire la sauvegarde et tout ça, paf, et dire on se retrouve dans le prochain épisode, mais non, je vais peut-être faire en entier. Voilà. Je pense que j'ai assez de bois. Le soleil est au milieu ou à son zénith, je crois qu'on dit. Donc on va commencer la petite fabrication. Voilà, là on va pouvoir faire des planches de chêne. On a eu 44 planches de chêne et là on va faire notre outil indispensable. Ça va être le magnifique établi. Donc bien sûr, pour passer la nuit tranquillement, il va falloir qu'on fasse un abri de fortune. Donc la vache, elle pouvait se taire. Donc on va commencer déjà par fabriquer. Non, c'est pas ça. On va fabriquer des matériaux. Vous voyez comment on va les fabriquer en faisant deux planches de bois. On fait des bâtonnets. On va faire 20 bâtonnets comme ça. On va être tranquille. Et avec ces 20 bâtonnets, on va faire notre premier outil, c'est-à-dire la pioche. La pioche qui va nous permettre de creuser, comment ça s'appelle, de travailler à la pierre. On va faire un deux.
Non, on va faire ça tout simplement, c'est-à-dire comme ça, deux comme ça et puis un carré, une pelle en bois qui va permettre de creuser la terre. On va faire une hache qui va nous permettre de couper du bois, donc ce qui est logique, couper du bois avec du bois. Et on va faire notre dernier ustensile qui va être super utile pour combattre des monstres. Voilà, l'épée. Voilà, on a coupé. Pendant que vous entendez peut-être une petite musique avec moi. Donc on va commencer déjà par utiliser. Voilà. On a déjà commencé à utiliser. On va peut-être pouvoir récolter beaucoup plus de bois ou quoi que ce soit. On va récolter surtout ça, c'est des pousses d'arbres qui vont être super utiles. On va taper un peu de la vache avec notre nouvelle arme. Et récupérer de la viande qui va nous servir à pour notre barre de faim. Allez, hop. Épluchure de vache. Alors c'est vrai que je vois pas très bien parce qu'il y a le petit overlay du logiciel de capture. Qu'est Action de Mirelis, parce que à l'époque le logiciel Action avait quelques difficultés avec le Java et puis ça est rentré dans l'ordre. Et ce qui me permet d'enregistrer deux sources différentes pour le son et mon micro. Donc pour l'instant on est encore dans les temps. On va peut-être commencer à récolter ce qui s'appelle la pierre. Comme vous voyez, la pierre, c'est ça. En anglais, ça s'appelle de la cobblestone. Et on va commencer. Vous voyez que ma barre de faim commence à diminuer. C'est les sortes de petits gigots, qu'on va appeler ça. Et peut-être, je crois que je vais me faire un abri ici. Et la pierre, c'est l'un des deuxièmes matériaux les plus importants dans ce jeu. C'est quand même grâce à... Non, ça c'est du granit, on n'en veut pas. C'est quand même grâce à lui qu'on va faire des ustensiles un peu plus... des ustensiles, des outils un peu plus élaborés. Avec de la pierre, ça va être plus simple, ça va durer beaucoup plus longtemps. Parce que vous voyez, sur le petit inventaire qu'on a juste en dessous là de la barre de vie qui est représentée par des cœurs pour ceux qui auraient ignoré. En dessous vous avez une barre d'expérience qui va permettre de faire plusieurs trucs dans la un peu plus loin dans la peut-être dans l'aventure si j'apprends comment faire. Et donc voilà. On a peut-être récolté assez de matériaux. Encore un peu, encore un peu. Parce que pourquoi faire un sorte d'abri? Tout simplement parce que la nuit c'est très dangereux et la nuit est en train d'arriver, bien sûr. Donc on va récolter un peu de bouse, comme dirait notre cher Bob Lennon. On va quand même peut-être pas faire des combats dès le premier temps parce que je voudrais un peu quand même évoluer un peu. Mais vous voyez, la nuit commence à tomber et ça va être l'arrivée des monstres. Les vaches ont du cuir qui vont permettre de se constituer une armure de fortune, mais certes. Bon là, elle a rien donné. Mais qui va permettre de résister plus facilement aux assauts des bestioles qui vont venir. Et puis là, c'est quand même le comble. On va interchanger avec ça. Pour pouvoir fermer notre abri de fortune, ce n'est pas une maison.
Et on va tout de suite faire un four. Carrément, je sais, j'explique tout ce que je fais. Peut-être ça va rendre barbon pour certains. Mais on va faire notre fourneau qui va nous permettre de cuire plein de matériaux. Comme on va faire cuire du bois pour faire du charbon. Vous voyez, en plus ça éclaire, parce que pourquoi faire du charbon? Pour pouvoir faire des torches, pour pouvoir s'éclairer. Le charbon va permettre aussi de servir du fourneau plus longtemps. Parce que vous voyez, ça, une planche de chêne se consomme très vite. Allez, hop, ça va nous permettre après de cuire la viande. Comme vous voyez, j'ai récolté beaucoup de bœuf cru, ce qui va en barre de faim va pas me donner grand chose, mais va me donner beaucoup plus si je le fais cuire. Allez, on y croit là. Il reste plus que deux bois de chêne. Oui, j'ai mis en français parce que l'anglais, ça me rebute, hein, bien sûr. Et je voudrais pas quand même me perdre dans les trucs, dire tiens, c'est quoi de ça, je sais pas. Donc on va commencer. On a enfin récolté notre charbon. Et on va se servir du charbon pour cuire cette viande. Pendant qu'on va cuire cette viande, on va ouvrir notre inventaire parce qu'on n'a pas besoin de notre... fourneau. Alors, on va peut-être pas voir comme ça, mais il y a... Voilà, c'est une vache. Mais il y a des monstres, hein, généralement, qui rôdent. On va mettre un peu de lumière ici. Voilà. La vache, elle veut se fighter. Viens, Laval. Oui, c'est ça, sauve-toi. Je voudrais bien vous montrer les monstres, mais j'ai pas envie de mourir dès les premières minutes de cette aventure. Donc je vais éviter quand même de mourir bêtement. Allez, on va faire cuire notre viande. Pendant ce temps-là, on va upgrader nos outils. Parce que voilà, quand même qualité supérieure, parce que les pioches en pierre sont plus résistantes que les pioches en bois. C'est un fait scientifique même, je dirais. Et on va quand même récupérer tout ça. Je les mets comme ça parce que j'aime bien organiser comme ça. Voilà. Donne-moi ça. Et hop, ma petite hache. Et on va terminer par le plus magique, c'est l'épée. Voilà, après on a plusieurs matériaux. Après on peut avoir des épées en fer, on peut avoir des épées en diamant, des épées en... je crois même en or. Et les épées en diamant durent largement beaucoup plus longtemps. On va peut-être commencer à faire du minage et tout ça aussi. Mais pas que, on va essayer de survivre désespérément. Vous voyez là-bas, il y a juste en dessous de la croix, vous voyez une sorte de petite ombre blanche. En fait, c'est un squelette et lui, il lance des flèches. Donc c'est pour ça qu'on n'essaye pas de s'aventurer, parce que pour l'instant, on n'est pas très bien équipé pour cela. Voilà. Ah bah... Pour la dernière, on va utiliser ça. Et vous voyez, le bœuf cuit va nous redonner de la barre de faim. Plus que... Je crois que j'ai dit barre de vie tout à l'heure, alors que c'est barre de faim.
barre de faim, parce que la barre de faim, quand elle est en dessous de la moitié, je crois, je suis plus sûr, bah, dès que vous prenez des dégâts, bah, votre vie ne se régénère pas aussi rapidement que en temps normal. Donc je crois qu'on va pouvoir voir si on peut pas se faire une armure. C'est vrai que c'est très intuitif ce jeu à ce niveau-là, parce que... Oh bah, on va commencer par un casque. Et on va le mettre déjà. Ce qui va nous rendre su super moche notre Docteur Who. Mais qui va nous donner un peu de bouclier. Alors vous avez aussi, là vous voyez, des formes noires avec des points rouges, c'est des araignées. Ils sont inoffensifs le jour, mais la nuit ils vous attaquent. Juste en dessous du... J'ai eu peur avec la vache là. Je vous fais pas dire. Et donc vous voyez que là, juste en dessous de mon curseur, c'est ce qu'on appelle le creeper. Le creeper est une sorte de TNT sur part. Dès qu'on s'approche, il a la fâcheuse tendance à exploser. On va commencer peut-être à creuser, hein. Parce que c'est un peu le but de Minecraft. Il y en a qui s'amusent avec Minecraft de différentes façons. Un jour, on le fera dans des vidéos, ne vous inquiétez pas. Donc, le premier épisode va quand même s'arrêter dès qu'il fera jour. Dès qu'il commencera à faire jour. Ça, il faudra que je me fabrique une montre. Est-ce que je fais comme ça ou comme ça? Je vais faire comme ça plutôt. Alors, vous voyez, de hauteur. C'est aussi pour ça que j'ai quand même mis... J'ai juste... Un passage là, comme ça, s'il y a un monstre qui s'approche, je peux l'attaquer. Tout simplement parce que vous avez les araignées qui font 2 de largeur, 2 cubes de largeur, ils peuvent passer s'il n'y avait pas ça. Et après, vous avez en 2 de hauteur, vous avez tous les monstres qui peuvent venir m'attaquer. Ce qui serait pas sympa. Et en même temps, je mets de la lumière dans cette zone pour éclairer, pour pas que les monstres ripop carrément dans cet abri. Et j'espère que dans cette vidéo j'ai pas dit maison une seule fois. Alors là vous avez des Undermen. Il faut surtout pas placer votre curseur sur eux. Parce que vous voyez, il s'est téléporté sur moi. Ça fait super peur quand même. Ça fait beaucoup, très peur même. Vous voyez? Il est arrivé quand même à côté. Mais bon, la zone n'étant pas assez grande pour lui, il a pas pu rentrer. Enfin bref, je crois que le jour se lève. Et c'est que ce premier épisode va s'achever ici, où je vous ai un peu expliqué à peu près tout ce qui allait se dérouler dans cette aventure suivie. Et puis surtout, on va se retrouver pour le deuxième épisode. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou comme on appelle un j'aime sur la vidéo. Pour tout simplement pour le travail qu'on effectue sur ce genre de vidéo. Et on va faire ça comme ça met en pause le jeu. Et on va pouvoir se quitter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre la suite des aventures sur Minecraft. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.